L'audience solennelle de rentrée nous donne l'occasion privilégiée d'un dialogue franc avec nous-mêmes, serviteurs de la loi et devant les corps constitués de la nation, émanation du peuple, au nom de qui la justice est rendue. Et si elle est un pouvoir indépendant, au terme des dispositions de notre loi fondamentale, la justice demeure un service éminemment public et, de ce fait, n'a pas vocation à fonctionner pour elle-même. Sa légitimité dans la société exige de ses principaux animateurs de la vertu à la hauteur de l'impartialité qui lui est si attachée. Nous avons décidé de placer l'audience solennelle de cette rentrée 2017-2018 de notre cours sous le thème rappelé déjà, l'obligation de réserve du magistrat. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, nous vous y avons conviés et vous voici ce matin avec nous en dépit des contraintes de votre agenda que tout le monde ici admet et qu'il est très chargé. Nous sommes particulièrement sensibles à l'hommage que vous rendez ainsi à notre juridiction et, au-delà d'elle, à l'ensemble de l'institution judiciaire béninoise tout entière. Votre présence, Monsieur le Président, parmi nous, ce jour, porte le symbole de votre attachement à l'institution judiciaire et aux femmes et aux hommes qui l'animent. Votre vision de la justice, déclinée à travers les réformes profondes que vous proposez pour le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous force à chanter que voici enfin levé le jour tant attendu. Voici enfin arrivé le temps de la justice. Nous tirons naturellement de votre présence à nos côtés une réelle et légitime fierté. Aussi voudrais-je, au nom des membres et du personnel de la Cour, au nom de la grande famille judiciaire de notre pays et à mon nom personnel, vous exprimer nos sentiments de profonde gratitude et nos remerciements les plus déférents. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, votre présence à nos côtés et surtout à chacune de nos audiences de rentrée nous donne du réconfort. Elle témoigne en effet l'expression renouvelée
de la parfaite collaboration qui règne entre les institutions de la République. Recevez, mesdames et messieurs, ici et maintenant, l'expression de notre profonde reconnaissance. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, votre détermination à faire redorer à la maison de justice à laquelle vous appartenez son blason force notre admiration. Nous vous savons gré de vos initiatives au soutien de la rénovation du système judiciaire de notre pays. Nous tenons à saluer le processus de relecture du statut de la magistrature auquel vous avez si tant travaillé sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, et qui est en cours d'achèvement. Nous l'espérons en tout cas, puisque ce important dossier se trouve actuellement sur la table de la représentation nationale. Notre pays se doit effectivement d'apporter un nouvel éclairage sur la construction du statut de la justice dans l'état de droit et sur le déploiement de sa mission au nom de la République et au nom de l'État. C'est donc bien de la recherche d'un statut adéquat pour la justice et pour ses animateurs que dépendra l'efficacité de sa noble mission. Nous nous réjouissons de ce que la force et l'énergie de votre jeunesse que vous dégagez, Monsieur le ministre, est mise au service de la justice. Soyez en remerciés. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, à la suite de vos éminents prédécesseurs, vous nous donnez déjà l'assurance du gage de votre engagement à la cause de la justice. Vous me laisserez vous dire combien les membres de la Cour suprême apprécient les premières actions que vous menez à la tête du barreau du Bénin, le seul de la République. Nous vous assurons, Monsieur le bâtonnier, de tout notre soutien. Distinguées personnalités ici présentes, chers collègues des cours et tribunaux d'Afrique francophone, ici réunis, mesdames et messieurs, nous vous savons toujours en parfaite communion avec nous à tous les moments forts de la vie de notre institution. Nous sommes particulièrement heureux de vous voir aussi nombreux à la présente audience, donnant ainsi la preuve de votre attachement à l'institution judiciaire. Grande est notre reconnaissance à votre endroit. Madame le Président de la Cour de cassation du Burkina Faso, Monsieur le Président de la Cour de cassation du Niger, Monsieur le Président de la Cour suprême du Togo, en quittant vos pays respectifs pour venir prendre part à la présente audience, vous achevez de convaincre de la solidité de la coopération judiciaire qui existe désormais entre nos hautes juridictions. Recevez, chers collègues, l'expression émue de la sincère reconnaissance des membres de la Cour suprême du Bénin. Mesdames et messieurs les magistrats des hautes juridictions africaines francophones, Monsieur le représentant du Conseil d'État de France, venu participer aux travaux de la 10e session de formation de notre réseau, l'Association africaine des hautes juridictions francophones, vous nous faites l'honneur de votre présence à cette audience, rehaussant ainsi ce rituel judiciaire si commun à nos juridictions. Cette présence traduit de façon éloquente l'intérêt que vous portez à la coopération juridique et judiciaire qui nous lie au service de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit en Afrique. Nous voudrions vous en savoir infiniment gré. Madame Diane Wood, présidente de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique, 7e circuit judiciaire de Chicago en Illinois, permettez-moi de vous réitérer les sentiments de gratitude
que je voudrais exprimer, que je vous ai exprimé il y a déjà 2 jours, à l'occasion de l'ouverture des travaux de notre 10e session de formation des magistrats de notre réseau. Nous voyons, à travers votre présence au siège de notre cour, les prémices d'une fructueuse coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin en matière juridique et judiciaire, mais également entre les États-Unis d'Amérique et notre association, la AHJF. Nous tenons, Madame, à vous dire encore une fois merci. Monsieur le Président de la République, honorables invités, mesdames et messieurs, l'année judiciaire 2016-2017 s'en est allée, emportant avec elle ses succès, mais également ses insuffisances, pour ne pas dire ses échecs. La présente audience solennelle de rentrée nous donne l'heureuse occasion de lever un coin de voile sur l'œuvre accomplie au cours de l'année écoulée et de dire devant les corps constitués de la nation et les représentants de la communauté internationale la part que nous avons prise au regard des défis et enjeux judiciaires de notre temps. Ainsi, sacrifiant à la tradition, il me paraît utile de rendre compte, dans leurs grandes lignes bien entendu, des activités menées par la Cour l'année passée. La Chambre judiciaire, en dépit de son action décisive dans la gestion du lourd contentieux électoral, a rendu, toutes sections confondues, 92 arrêts à l'issue de l'examen de procédures, les unes aussi complexes que les autres. Elle a été saisie, en outre, de plaintes avec constitution de partie civile contre des magistrats de la République et également d'autres procédures particulières telles que aux fins de récusation, afin de renvoi pour cause de suspicion légitime et de prise à partie, sans préjuger de l'issue qui sera donnée à ces procédures, il y a lieu de relever qu'elles témoignent du niveau de juridicité de plus en plus élevé de nos compatriotes, devenus plus exigeants vis-à-vis de leurs juges, vis-à-vis de leurs magistrats. La Chambre administrative, quant à elle, aura rendu en contentieux ordinaire, toutes sections confondues, 129 arrêts, les uns aussi significatifs que les autres, qui rendent compte de la construction jurisprudentielle novatrice en cours au sein de cette juridiction. L'arrêt 65-CA du 19 juillet 2017, rendu par la Chambre administrative, éclaire d'un jour nouveau la nature juridique du titre foncier, longtemps considéré comme un acte intangible et inattaquable. En procédant à l'annulation des décisions d'immatriculation du conservateur des titres fonciers numéro 510 et 532 du livre foncier de la circonscription de Semekpoji, le juge administratif a dit et jugé que le titre foncier reste et demeure un acte administratif et en tant que tel susceptible de contrôle de légalité par le juge administratif. Mon collègue Kobo de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, ici présent, se rappellera les débats fructueux et denses que nous avons eus sur cette question à nos assises de décembre dernier à Lomé. Outre l'intense activité touchant au contentieux ordinaire, la Chambre aura rendu ces 3 derniers mois en matière électorale 128 arrêts, réduisant pratiquement à néant, je dis bien à néant, le stock résiduel du contentieux électoral. Et cela ne veut pas dire que tous les dossiers du contentieux électoral sont complètement vidés. Nous avons encore 50 de dossiers. Et j'ai espoir que d'ici la fin du mois de novembre, nous en aurons définitivement fini avec ce contentieux. Il importe de souligner, sous cette rubrique, que face à l'inexécution de certains maires de communes
de décisions prises par la Cour en matière électorale. Ils ont violé la loi et nous avons été amenés à prendre des décisions qui sont assorties d'injonctions aux fins d'exécution immédiate des décisions rendues par la Cour sous astreinte par jour de résistance de ses maires. La haute juridiction entend organiser dans les semaines à venir un séminaire bilan pour procéder à une évaluation critique de la gestion de ce volumineux contentieux sanctionné à la date d'aujourd'hui par la réédition de 1675 arrêts. À cette occasion, des propositions de relecture de notre code électoral seront faites au regard des difficultés d'application de certaines dispositions de notre code électoral. S'agissant de la Chambre des comptes, je voudrais indiquer qu'elle a élaboré et transmis au gouvernement ainsi qu'à l'Assemblée nationale le rapport sur l'exécution de la loi de finances gestion 2016 ainsi que la déclaration générale de conformité. Elle a également élaboré le rapport de vérification des comptes de campagne électorale de l'élection présidentielle de mars 2016, les rapports définitifs de contrôle de gestion de certaines représentations diplomatiques du Bénin à l'étranger, d'audits de performance de certains ministères et de contrôle des entreprises et organismes publics, de même que des comptes de certaines de nos communes. Le rapport définitif des flux financiers 2016 et le rapport de l'évaluation des systèmes de réduction des comptes de recettes de la Direction générale des douanes et droits indirects de la Direction générale des impôts. Pour ce qui est de l'épineuse question de déclaration du patrimoine à laquelle sont assujettis les responsables et les personnalités à divers niveaux, conformément à la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, la Chambre des comptes a réceptionné à ce jour les dossiers de déclaration de patrimoine de 31 députés. Ils sont 83. De 31 députés de la 7e législature, dont heureusement celle, la déclaration du président de l'Assemblée nationale a été reçue. S'agissant de l'exécutif, 21 membres de l'actuel gouvernement, dont le président de la République, ont satisfait à cette obligation. Le constat qui se dégage est qu'au regard de la longue liste des personnalités et fonctionnaires de l'État assujettis à l'obligation de déclaration de leur patrimoine, la moisson est loin d'être satisfaisante, puisque à ce jour, aucun directeur général de société ou d'organisme public n'a encore fait sa déclaration. Aucun haut gradé des forces de sécurité non plus n'a fait sa déclaration de patrimoine. Monsieur le Président de la République, la production des trois chambres de notre haute cour a bénéficié, comme cela a été indiqué tantôt par Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, a bénéficié du parquet général qui, en dépit de son effectif limité, a travaillé sans désemparer pour rendre possible les performances réalisées. Ainsi, au cours de l'année judiciaire écoulée, le parquet général aura pris 258 conclusions pour le contentieux ordinaire et 502 conclusions pour le contentieux des élections communales, municipales et locales. Au titre des attributions consultatives, la Cour a donné suite à toutes les demandes d'avis juridiques relatifs aux divers accords de financement que le gouvernement a signés avec les partenaires et organismes de développement. Elle a en outre produit des avis motivés
relativement à de nombreux projets de loi à la demande du gouvernement. En ce qui concerne nos engagements internationaux, en ma qualité de président de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français, j'ai pris part avec une délégation de la Cour aux assises organisées par cette association à Niamey en mai dernier sur le thème « Les cours suprêmes dans la prévention et la lutte contre le terrorisme ». De même, je viens de réunir à Bruxelles les juridictions membres de notre réseau sur une thématique de préoccupation majeure pour la justice. Il s'agit de la problématique de l'autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire. Au plan régional, notre Cour aura fait face à ses responsabilités avec perspicacité, notamment en organisant jusqu'à hier seulement la 10e session de formation des magistrats des juridictions membres, laquelle s'est achevée à l'École régionale supérieure de la magistrature, ici même à Porto-Novo. C'est le lieu de dire, une fois encore, Monsieur le Président, toute notre gratitude à vous-même ainsi qu'à votre gouvernement pour l'appui logistique et financier dont bénéficie notre association depuis sa création en 1998. L'œuvre ainsi accomplie par notre juridiction au cours de l'année écoulée n'a été possible que grâce aux efforts conjugués de tous ces animateurs qui, en dépit de leurs moyens limités, se sont élevés à la hauteur de leur mission au sein et au service de la République. Je voudrais, en cette circonstance aussi solennelle, Monsieur le Président, me permettre de leur rendre un hommage appuyé, un hommage bien mérité. Qu'il me soit surtout permis d'exprimer ma sincère reconnaissance à ceux d'entre eux qui, admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont cessé d'exercer leurs fonctions au sein de notre juridiction. Mes pensées vont surtout à l'endroit de ceux-là même qui, hier, éminents compagnons de route, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Aussi, nous voudrions nous incliner très pieusement devant la mémoire de feu Honoré Akomin, magistrat de grande réputation, président de section à la Chambre judiciaire, qu'il a plu au Seigneur de rappeler à lui le 8 mai 2017, alors qu'il devrait faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet de la même année. Nous n'oublions pas notre éminent collègue, le magistrat Guy Ogoubilly, ancien conseiller à la Chambre judiciaire, qui nous a quittés le 25 juin 2017, alors qu'il venait à peine de passer service à la tête de l'autorité de lutte contre la corruption qu'il a présidée après son admission à la retraite. Nous garderons à jamais gravé dans la mémoire collective de notre juridiction le souvenir de ces deux magistrats de grand talent. Monsieur le Président, parce qu'elle est désormais non plus à la périphérie, mais au cœur de la gouvernance publique dans nos États et particulièrement dans notre pays, la justice se doit d'être en phase avec les exigences de l'État de droit. Sa légitimité et la place privilégiée qu'elle occupe dans l'État en dépendent. Il nous a plu, ainsi que je l'indiquais tantôt, de lancer la réflexion de la présente audience sur l'obligation de réserve du magistrat. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le procureur général près de la Cour suprême, je m'associe pleinement à l'essentiel de vos développements sur cette thématique, laquelle nous paraît d'actualité, et je voudrais très sincèrement vous en remercier. Il n'est pas besoin de pérorer davantage sur ce qui apparaît pour moi comme le substratum de l'office du juge. Disons-le tout de suite, le magistrat, de par la mission qui est la sienne dans la cité, est astreint à des obligations auxquelles il ne saurait se soustraire sous peine de parjure. Le serment qu'il a prêté avant d'entrer en fonction le lui commande. L'enjeu, il ne faudrait pas s'y méprendre, est que le magistrat
en toutes circonstances, doit présenter des gages de dignité, d'impartialité, de neutralité, sans lesquels son office devient sujet à caution, le mettant lui-même en situation de suspicion légitime, comme l'indiquait tantôt M. le bâtonnier. Qu'on ne s'y trompe pas, le magistrat ne doit pas se contenter de la conscience claire qu'il a de son indépendance dans son office, c'est-à-dire à l'occasion des faits qu'il est appelé à juger. L'impartialité subjective qui correspond à l'indépendance dans la formation du jugement, à l'attitude du juge, tout spécialement au cours d'audience et de prononcé d'une décision, ne suffit pas. Il faut au juge, qui se trouve également au-delà de cette impartialité subjective, dans une impartialité objective, qui ne se définit pas comme une impartialité de surface, mais plutôt comme une impartialité facilement perceptible, c'est-à-dire qui se donne à voir. Du coup, il ne suffit plus pour le juge qu'il ait conscience de cette impartialité. Il faut que celle-ci, non seulement apparente, qu'elle doit être, mais elle doit l'être davantage pour le juge comme pour le justiciable, lequel justiciable ne doit plus le suspecter. C'est ce qu'a d'ailleurs décidé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt du 29 avril 1988, Bélios contre Suisse. Le magistrat se doit donc d'être en permanence dans la bonne tenue, dans la modération, dans la discrétion, dans la réserve. Hélas, on ne peut ne pas le souligner, hélas, trois fois. Certains magistrats de nos jours ne se font plus ni modestes, ni discrets. Ils parlent. Ils parlent publiquement de tout. Et ils parlent trop. L'obligation de réserve est cependant cette perception déontologique et éthique qui est faite aux magistrats de se conduire en tout, vous l'avez dit, monsieur le bâtonnier, en tout, en digne et loyal magistrat, de veiller par son comportement individuel à préserver l'image de l'institution judiciaire et asseoir ainsi la confiance du justiciable en l'appareil judiciaire. Combien de nos compatriotes ont connu, si ce n'est dans les prétoires, des magistrats tels que Alexandre Paraiso, Frédéric Houndéton, Alexandre Durand, Basile Sosounto, Pierre Ehoumi, Magloire Kinifor, Jean-Baptiste Mossi, ou Abdou Saliou, et j'en oublie, qui ont été cependant d'éminents magistrats et qui ont consacré leur vie à la science du droit. Ils étaient presque inconnus, tout simplement parce qu'ils étaient restés tous discrets, pondérés, sobres. Ils étaient tout sauf expansifs. Ils le sont restés presque dans l'anonymat. Si le magistrat, comme tout citoyen, a le droit à la parole, le manquement à l'obligation de réserve écorche le professionnalisme et l'intégrité qui sont attendus de lui et ouvre la voie à toutes les dérives qui ternissent l'image de l'institution judiciaire. Quelle est en effet la crédibilité d'une justice pour laquelle les médias, les réseaux sociaux, voilà, c'est notre temps, deviennent de nouveaux prétoires pour les débats sur les instructions en cours et les procédures judiciaires pendantes devant nos cours et tribunaux de la République. Mesdames et messieurs, le magistrat doit se sublimer tant dans sa vie privée que dans l'exercice de sa profession. Il ne doit prendre aucune liberté vis-à-vis de son serment. C'est ce à quoi je voudrais
solennellement convier tous mes collègues ici, magistrats de la République. Nous devons revenir, si je puis dire, aux fondamentaux de notre office. La Cour suprême, quant à elle, continuera sa mission d'accompagnement pédagogique des magistrats. Je sais pouvoir compter aujourd'hui, plus qu'hier, sur tous les magistrats pour continuer à faire preuve de réserve et de responsabilité, aussi bien dans leur office que dans les actes de leur vie quotidienne. Le Conseil supérieur de la magistrature attache du prix à les voir présenter en leur personne même les qualités d'indépendance, de rigueur, d'intégrité, de discrétion, de réserve et de probité. Si notre société doit avoir une ambition pour sa justice, une ambition pour ses juges, ceux-ci en retour se doivent d'assumer leur régime de responsabilité en restant fidèles à leur serment. Merci à vous, Monsieur le Président de la République, de m'avoir écouté. Merci à vous, Mesdames et Messieurs, de votre bienveillante attention. Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les membres de la grande famille judiciaire, Mesdames et Messieurs les notables et autres personnalités de la ville de Porto-Novo, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je salue votre présence qui témoigne de votre soutien au bon fonctionnement de notre appareil judiciaire. Je salue très chaleureusement nos hôtes venus de loin représenter la grande famille judiciaire au plan universel. Et je leur souhaite bon séjour au Bénin. Monsieur le Président de la Cour suprême, j'ai suivi avec intérêt le bilan des activités menées par votre haute juridiction au cours de l'année écoulée et vos propositions pour faire jouer au cœur de la justice toute sa partition dans le processus de consolidation de l'état de droit dans notre commune patrie, le Bénin. De même, je me réjouis des avancées notables enregistrées et des diligences effectuées dans la production des avis motivés et avis juridiques sollicités par mon gouvernement. En dépit des difficultés rencontrées, vous avez pu atteindre un niveau de performance qui est largement supérieur à celui de l'année écoulée. Cela prouve, à n'en point douter, l'efficacité et la conscience professionnelle dont font montre les membres de la haute juridiction dans l'accomplissement des tâches que la République leur a confiées. C'est l'occasion pour moi de vous adresser mes vives félicitations et mes encouragements pour les efforts ainsi consentis. Je réitère l'entière disponibilité de mon gouvernement à demeurer toujours à vos côtés pour garantir à notre peuple un service public de la justice à la hauteur des exigences d'un État démocratique et moderne. Ainsi que vous le savez, le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire a été au cœur du projet de réforme que j'ai proposé à nos concitoyens. Le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, que mon gouvernement a initié et transmis à la représentation nationale,
visait, entre autres objectifs, le nécessaire renforcement du pouvoir judiciaire qui se doit d'être mis au diapason des exigences de l'état de droit. Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, notre justice nécessite de profondes réformes pour pouvoir répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens qui aspirent au bien-être économique, social et à une plus grande sécurité juridique. J'ai bon espoir que ces réformes verront le jour dans un pays comme le nôtre qui nourrit de grandes ambitions démocratiques. Aussi, me permettrez-vous de mettre en relief quelques actions parmi les plus significatives de mon gouvernement dans le secteur judiciaire. L'opérationnalisation des chambres administratives dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel. L'augmentation d'environ 65% du budget de la justice. La création d'une cour d'appel de commerce et des tribunaux de commerce. Le recrutement cette année de 78 auditeurs de justice pour pallier le manque de personnel magistrat dans nos juridictions. Je peux vous confirmer qu'il sera procédé également chaque année au recrutement d'environ 40 auditeurs de justice. L'opérationnalisation dans les semaines à venir de certains tribunaux de première instance prévus par la loi d'organisation judiciaire. Le renforcement des moyens matériels et financiers des acteurs de la justice. C'est dire, Monsieur le Président de la Cour, combien les questions touchant à l'institution judiciaire de notre pays tiennent à cœur à mon gouvernement. La tenue de la présente audience solennelle me donne l'occasion d'exprimer ma satisfaction pour l'accompagnement pédagogique que la Cour suprême apporte à l'ensemble des magistrats des juridictions du fond dans le sens de l'amélioration de la qualité du service public de la justice du Bénin. La Cour suprême attache en effet du prix à sa mission permanente d'inspection et de contrôle à l'égard de toutes les juridictions. Elle procède également à l'organisation périodique de rencontres trimestrielles entre ses magistrats, leurs collègues du fond et le barreau du Bénin. Je suis convaincu qu'avec cette action conjuguée du pouvoir exécutif et de l'institution judiciaire, les principaux animateurs de nos cours et tribunaux seront au quotidien plus outillés et chaque jour plus fidèles au serment qu'ils ont prêté. Monsieur le Président de la Cour suprême, la démocratie et l'état de droit ne sauraient s'affranchir d'une justice efficace, forte, crédible et indépendante. Et dans cette optique, que la Constitution du 11 décembre 1990 a fait de la justice l'épine dorsale de notre système de gouvernance et le pilier fondamental de l'édifice démocratique. Mais s'il est vrai que chaque système judiciaire national a sa spécificité, la finalité de tout système judiciaire fondé sur les principes démocratiques reste la même, à savoir garantir la sécurité et la paix sociale. Quand cette finalité est atteinte, la justice devient une justice universelle, ouverte sur le monde et donc favorable à l'accueil, d'où qu'ils viennent, d'hommes et de femmes de bonne volonté qui aspirent à une justice de sécurité pour investir et développer leurs affaires en toute sérénité. En effet, le réflexe naturel de tout homme qui veut agir en dehors de son territoire originel, est d'évaluer les risques, pas forcément économiques, mais surtout sécuritaires au plan judiciaire. C'est cela
qui assure la confiance nécessaire pour agir en territoire peu connu ou inconnu. Avec le programme d'action du gouvernement, nous avons besoin, plus que jamais, de cette justice de sécurité qui fonctionnera comme un appel d'air pour les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, qui sont à la recherche d'un environnement des affaires sécurisé et fiable. C'est l'esprit de la création d'une cour d'appel de commerce et des tribunaux de commerce dans notre pays. Nous devons poursuivre cet effort pour garantir au Bénin la réputation d'un pays où la justice, en plus d'être efficace, est la même pour tous, quelles que soient nos origines et nos identités. Une justice de sécurité est une justice qui parvient à s'extraire de toutes sortes d'influences, dont celles financières. Pour cela, je peux vous assurer de ce que mon gouvernement et moi-même travaillons à rendre progressivement le pouvoir judiciaire financièrement autonome, comme l'ont suggéré les pertinentes réflexions de la rentrée judiciaire de l'année dernière. Je voudrais tant donner à la justice de notre pays les moyens à la taille des missions régaliennes qui lui sont confiées par notre Constitution. Mais il est attendu, en retour, que la justice joue convenablement et sans faille toute sa partition. Mesdames et messieurs, nul n'ignore que nos concitoyens doutent de plus en plus de l'impartialité de leur justice et de sa capacité à répondre efficacement et promptement à leurs attentes et à leurs besoins, voire soif de justice. Il leur arrive même, malheureusement, d'hésiter à recourir à la justice dans des situations qui l'exigent pourtant. Les nombreux dysfonctionnements d'imprévisibilité, des temps d'attente des décisions rendues par nos juridictions ainsi que l'indélicatesse de certains des animateurs de l'appareil judiciaire sont autant de mots qui minent la justice de notre pays et qui renforcent le doute dans l'esprit de nos concitoyens sur la capacité de notre justice à dire le droit, rien que le droit. Nos concitoyens estiment à raison, Monsieur le Président, que notre justice est fortement soumise aux pressions de toute nature et surtout celles de l'argent. Ce sentiment d'une justice en panne est aux antipodes des légitimes attentes de nos concitoyens qui demandent seulement que justice leur soit rendue équitablement. Cet état de choses interpelle nos consciences individuelles et collectives quant à l'avenir de notre pays. Il nous faut, sans relâche, œuvrer pour une justice diligente, crédible et impartiale, de nature à susciter l'engouement des partenaires à nous accompagner dans notre marche vers le développement intégral. Je me satisfais toutefois de savoir qu'il existe dans notre pays un grand nombre d'excellents magistrats attachés aux vertus cardinales de conscience professionnelle aiguë, de rigueur, d'intégrité, de discrétion, d'obligation de réserve, d'éthique et de probité dans leur office qu'ils exercent à la mesure de la dimension sacerdotale. Qu'ils soient félicités et encouragés, ceux-là. Je ne doute pas de leur persévérance à jouer ce rôle de sentinelle de l'état de droit. Je leur exprime ma reconnaissance et ma fierté.
Monsieur le Président de la Cour suprême, mesdames et messieurs, le thème retenu pour la présente audience solennelle de rentrée judiciaire, à savoir, je vais répéter ce qui m'a précédé, l'obligation de réserve du magistrat est d'une brûlante actualité et en parfaite adéquation avec les préoccupations largement partagées d'un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ce thème d'une grande pertinence est l'un des corollaires de la problématique de l'indépendance de la justice. L'indépendance, clairement affichée par notre Constitution, appelle en contrepartie des contraintes au nombre desquelles cette obligation de réserve du magistrat. La justice demeure le pilier de l'état de droit et de la démocratie. Les hommes et les femmes qui l'animent et l'incarnent ne sont pas des citoyens lambda, encore moins des fonctionnaires ordinaires. Le magistrat est, comme nous le savons, dépositaire d'un pouvoir considérable, celle de juger les hommes qui lui sont semblables, celle de dire le droit, celle de sanctionner les dérives qui compromettent le vivre ensemble. C'est en raison de la gravité de son office et de la délicatesse de sa charge que le magistrat est astreint à une obligation de réserve. Celle-ci protège l'institution judiciaire. Monsieur le Président, vous avez bien raison de le souligner et de le marteler. La dérive est déjà dans la maison. Cette obligation de réserve ne prive pas le magistrat de sa liberté d'expression, vous l'avez dit. Elle n'a pas non plus vocation à le museler, mais elle encadre cette liberté qui doit être exercée avec beaucoup de retenue et de circonspection. Le magistrat ne saurait être un serviteur de l'État trop expansif. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Ce faisant, ses paroles, ses faits et gestes n'entacheront d'aucune manière l'impartialité et la grandeur qui est attendue de lui. Je veux pouvoir compter sur ces acteurs les plus éminents pour prendre la pleine mesure des obligations de leur charge et de leur temps. Monsieur le Président, c'est sur ces mots d'espoir qu'au nom du peuple béninois, de son gouvernement et à mon nom personnel, je voudrais vous souhaiter, mesdames et messieurs les membres de la Cour suprême, mesdames et messieurs les membres des cours et tribunaux de la République, une bonne et fructueuse année judiciaire 2017-2018. Je voudrais prier le ciel de vous accorder bonne santé pour vos tâches si rudes et vous assurer de ma disponibilité entière à vous appuyer sans relâche. Sur ce, je vous dis merci pour tout.